sacré papa. Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Je suis street artiste, en fait je suis artiste plasticien mais spécialisé dans le street art. Donc je suis à Paris, mais je voyage souvent pour dessiner sur des murs, voilà, quand c'est autorisé ou pas. Pourquoi Terre d'École alors ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Alors quand Terre d'École est venue me voir pour ce projet-là, pour l'école, je me suis dit qu'il fallait trouver un message qui correspondait un peu à l'image de la fondation. Donc du coup, au départ, je me suis dit que j'allais faire plusieurs enfants parce qu'on parlait de la jeunesse qui allait s'entremêler, qui allait tous porter un bout d'arbre et créer un arbre ensemble. Donc cette espèce de système d'origami comme ça avec des triangles dans tous les sens, je me suis dit qu'ils allaient chacun en mettre un à gauche et à droite. Finalement, je me suis dit qu'il fallait aussi que je réunisse la notion de l'Afrique, mais aussi la notion de connaissance, d'envol, de liberté. Et j'en suis arrivé à cette fresque-là qui en fait montre une Afrique. Donc il y a la forme de l'Afrique, mais en même temps, il y a la forme d'un arbre, comme celle de Terre d'École. L'arbre, c'est l'arbre de la connaissance, mais qui aussi veut prendre racine. Donc j'ai fait participer les enfants qui sont venus faire les fresques en bas, qui ont dessiné comme des fragments de terre. Et j'ai fait comme si justement les racines allaient venir s'enraciner dans le sol. Mais on a aussi la notion d'envol, donc cet arbre se dématérialise pour devenir un oiseau, qui d'ailleurs casse un peu ses chaînes et sort de ses cernes noires, donc on le voit se libérer au fur et à mesure et prendre son envol. Et on voit trois visages, en fait c'est les trois visages de l'Afrique. On dit souvent que l'Afrique a trois visages, mais finalement je voulais faire ça comme des trois visages multicolores. Ce qui était intéressant, c'était de voir les enfants travailler avec nous, mais on n'a fait que de la récupération déjà parce qu'on n'a pas travaillé avec des bombes. Un, c'est polluant, deux, on ne peut pas les transporter dans l'avion. Comme je viens de Paris, il a fallu trouver le système D. Et on a fait tout à la récupération. On avait de l'acrylique, des pigments qu'on a mis dans des bouteilles, qu'on a découpées. Ensuite, on a peint directement au pinceau. Tous les enfants s'y sont mis, se sont appliqués à faire quelque chose de bien. Et au final, c'est marrant parce qu'il n'y a pas du tout la culture street art ici à Pointe-Noire. Pas vraiment encore vraiment développé. Et là, de faire ça devant les enfants et les petits qui regardaient comme ça en se disant mais est-ce qu'il a le droit, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, ok. En plus, on peut participer, allez, on y va. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a une notion de culture, d'apprentissage. Et aussi, c'était pouvoir partager le fait que avec la peinture, en créant, avec rien, on peut se libérer.